Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soculo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un after patch pour le glitch qui vous permet de personnaliser votre nom de clan pour avoir un nom de clan de développeur. Alors pour ce faire vous allez aller dans caserne, ensuite dans personnalisation, puis dans marque de clan. Là vous allez personnaliser votre nom de clan. Alors il faut savoir que IW point, donc IW majuscule espace point, faut bien mettre l'espace sinon ça ne fonctionnera pas. Ceci en fait ne fonctionne plus, en fait ils l'ont patché. Donc quand vous acceptez quand vous entrez cette marque de clan, bah, vous voyez ça ne me met aucun marque de clan personnalisé. Donc c'est obligé, celui-là il est patché, RVN espace point est patché aussi. Regardez, hop, je vais mettre RVN espace point, c'est patché. Donc IW et RVN qui s'affichaient en marque de clan en couleur rouge est patché sur Vanguard. Il y a même le nom de clan SHG espace point qui est patché aussi. Donc voilà, les trois marques de clan qui étaient des marques de clan de développeurs ont été patchées. Donc maintenant on ne peut plus les utiliser. Mais maintenant l'after patch que je vais vous présenter, c'est tout simplement le seul truc que vous pouvez encore personnaliser, c'est le SHG, mais il faudra le marquer en minuscule. Il faudra le marquer en minuscule, ensuite faire un espace et puis marquer point. Et là, regardez, ça va me le noter. Donc là, ça fonctionne. Et il y a une autre possibilité, c'est marquer SHG espace 0. Donc les deux fonctionnent. Donc là, regardez, je vais vous montrer, ça fonctionne bien avec SHG 0. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une partie en multijoueur pour vous montrer que ça fonctionne bien. Et là, vous allez voir que ma marque de clan, en fait, elle sera personnalisée comme si j'étais un développeur. Donc ça fera une petite plaque SHG. Donc c'est assez stylé pour se démarquer des autres. Donc là, dans le lobby, ça ne s'affiche pas. Vous pouvez voir qu'il est marqué SHZ. G espace 0, mais il n'est pas en nom de clan de développeur. Donc là ça ne fonctionne pas dans le lobby, mais vous allez voir que quand je vais lancer la partie, quand la partie va se lancer, que je vais afficher le score, on verra ma plaque SHG et tout le monde va pouvoir l'avoir aussi. Donc même quand je tue un adversaire, ben, vous aurez la plaque personnalisée, et quand ils regarderont le score, ben, ils verront aussi la plaque personnalisée. Donc très important, il y a un double, tout, double triple XP sur Vanguard, donc n'hésitez pas à en profiter. Donc là regardez, je dois attendre un petit peu que les noms de clans s'affichent. Donc là pour l'instant je ne l'ai toujours pas. On va attendre un peu, normalement ça ne devrait pas tarder à s'afficher. Voilà, là ça s'est affiché, regardez, ma plaque SHG. C'est bien affiché, donc les gens pourront peut-être croire que je suis un développeur s'ils connaissent pas l'astuce, enfin s'ils connaissent pas le glitch. Donc c'est plutôt stylé pour se démarquer. Et regardez, même dans la barre feed, donc la barre des kills, il y a mon pseudo écrit avec la marque de clan, la petite plaque de clan SHG personnalisée. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soculo Mike et ciao, peace.